18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, c'est la peine prononcée par la justice allemande à l'encontre de Jörg Kretschmer pour ne pas avoir mis sous clé les armes à feu qu'il gardait chez lui. Le 11 mars 2009, son fils Tim, 17 ans, avait tué 15 personnes à Winnenden, près de Stuttgart, avec un pistolet Beretta qu'il avait pris dans la chambre de ses parents. L'adolescent avait abattu 9 élèves et 3 professeurs de son ancien collège. Dans sa cavale de plus de 3 heures, il avait tué 3 autres personnes avant de se suicider sur un parking. Au total, il avait tiré plus de 100 cartouches avec le Beretta de son père. Il y a un an, Jörg Kretschmer, 54 ans, avait été condamné à une peine plus longue, 1 an et 9 mois de prison avec sursis. Mais ce jugement avait été annulé pour vice de forme. Membre d'un club de tir, il détenait tout un arsenal à domicile. Les armes auraient dû être stockées dans un endroit sécurisé, comme l'exige la loi.